Bonjour, alors tout d'abord je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je souhaitais vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté pour la première, toutes les bons commentaires que vous m'avez donnés. Donc ça me motive et je voulais vous dire merci. Voilà. Donc aujourd'hui je voulais aborder un nouveau sujet qui est la couleur dans sa tenue vestimentaire. Parce que pour dynamiser son look de temps en temps, il suffit de pas grand chose sans aller forcément acheter de nouveaux vêtements, il suffit de pas grand chose pour paraître tout de suite plus looké. Pour introduire ce petit conseil, je vais partir sur un cas bien précis. Parce que la couleur, vous pouvez en mettre de toutes les manières, de toutes les façons. Donc pour ne pas partir dans tous les sens, je vais parler d'un cas bien précis. Et je vais partir avec un vêtement que l'on peut tous avoir dans sa garde-robe, qui est la chemise en jean. Et j'en ai une aussi. Alors, pourquoi la chemise en jean? Parce que le jean, ça fait l'unanimité. On peut tous porter du jean. Vous avez tous un pantalon en jean. Vous avez votre jean préféré, obligatoirement. Et ben, moi, je vous conseille d'avoir aussi votre chemise en jean. Alors pourquoi? Parce que la chemise en jean, vous allez pouvoir la porter dans différents cas. Dans un cas où vous allez pouvoir être un petit peu plus décontracté, mais aussi dans un cas où vous voudrez avoir une tenue plus classique, plus professionnelle. Donc je vous invite toutes à avoir une chemise en jean. La première chose, c'est qu'avec cette chemise en jean, je vous incite à la choisir avec des poches et légèrement cintrée. Pourquoi? Alors je vais être un petit peu généraliste, mais sur cette forme-là, ça va aller à quasiment toutes les silhouettes. Que vous soyez une silhouette plutôt filiforme, c'est-à-dire avec peu de poitrine, ou alors un peu plus plantureuse, forcément, cette chemise en jean avec les poches, elle va vous mettre en valeur, elle va vous aller, elle va bien fonctionner. Donc votre chemise en jean, vous allez pouvoir la mettre à différents moments, pour un rendez-vous professionnel, pour une sortie avec votre chérie, pour une après-midi avec les enfants, pour aller au sport avant de vous changer, enfin bon. C'est vraiment l'arme idéale pour être toujours tendance, looké, et puis sans être trop compliqué, d'accord? Donc ça c'est le premier point avec cette chemise en jean. Et le deuxième point, c'est qu'avec cette chemise en jean, vous allez pouvoir y incorporer une couleur. Alors, comment vous allez apporter cette couleur avec votre chemise en jean sans avoir l'air d'être un panneau publicitaire? Parce que souvent, c'est ce que j'entends. On a l'impression que dès qu'on porte de la couleur, on devient un écran lumineux et qu'on dit « attention, attention, j'arrive ». Donc là, c'est pas le cas. On va utiliser une couleur dynamique, c'est-à-dire le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le orange, ce que vous voulez, votre couleur préférée, d'accord? Mais attention, hein, une couleur franche, pour commencer. Et alors, pour les plus frileuses, je vous invite à le commencer de manière minimaliste, mais présente. De quelle manière? Comme l'exemple que vous pouvez voir ici avec notre grande copine Shaim, un petit peu sur les lèvres, un petit collier ou un petit accessoire autour du cou, et le petit sac assorti. Sur une seule couleur, vous avez fait une association qui fonctionne très très bien. Vous ajustez la coupe en fonction de votre objectif du jour. Et là, tout de suite, vous êtes remarquable, mais discrète. On peut le faire un petit peu plus loin. Donc avec une chemise en jean et un pantalon noir. Donc là, on reste assez classique. Et la couleur, vous la mettez sur les chaussures. Vous voyez, là, les chaussures rouges, ça fonctionne. Et tout de suite, vous avez l'air un petit peu pointu. Quand je dis pointu, c'est-à-dire dans le style. C'est qu'on se dit, alors, elle sait. Elle sait jouer avec les couleurs. Alors qu'on en a ajouté qu'une seule et qu'elle se marie très très bien avec votre chemise en jean. Bon, maintenant on va aller un peu plus franco. On va l'associer sur la pièce opposée à la chemise, c'est-à-dire soit une jupe, soit le pantalon. Donc là, vous choisissez par exemple un jaune citron. C'est le printemps qui arrive, c'est une couleur qui va très bien s'y prêter. Donc un jaune, ne soyez pas effrayés. La luminosité, le dynamisme de cette couleur va être canalisé avec votre chemise en jean. Et les deux vont très bien s'associer. Vous y ajoutez une petite ceinture d'une couleur un peu plus neutre au niveau de la taille pour faire le lien entre les deux. Et pareil, une petite paire de chaussures, même des baskets, noires, marron ou jaune. Bon, ce qui est sympa, c'est pas forcément assortir les chaussures au pantalon. Mais voyez, les deux couleurs, elles travaillent forcément bien ensemble. Donc tout ça, c'est pas grand-chose, mais c'est un premier pas pour mettre de la couleur dans votre tenue vestimentaire, d'accord? Et forcez-vous, allez-y, faites le test. Voilà, l'intérêt aujourd'hui, c'était de prendre des risques et de faire quelque chose un petit peu plus flashy.
Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !